Eh bien salut à tous les amis, c'est DWS, aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 7. Alors je suis désolé, ça fait la troisième fois que je tourne une vidéo aujourd'hui, et il n'y en aura qu'une seule qui sera postée. Pourquoi? Parce que la première, j'ai enregistré, mais il n'y avait pas le son de jeu ni de ma voix. Et la deuxième fois, il y avait ma voix, mais pas le son de jeu. La galère. Du coup, je vais vous réexpliquer tout ça. Et là, dans le dernier épisode que vous avez vu, on avait vu une vidéo où il y avait un clown, enfin c'était un joyeux anniversaire de malade où on s'est fait tuer dans une vidéo, c'était dans une vidéo qui avait été tournée. Ensuite avec Ethan, on était allé affronter dans la grange un énorme monsieur pas beau, comment on appelle ça, massacre dans la grange, voilà, il a appelé ça comme ça. En le tuant, on a pu sortir, aller dans un endroit et trouver un code qui nous permettait d'ouvrir une porte, qui nous permettait également d'aller là où il y avait le clown. Sauf que dans cette salle, on connaissait déjà le mot de passe. Donc on a pu récupérer directement la valve et éviter d'ouvrir le tonneau plein d'essence. Donc du coup, qu'on a posé la bouche sur le gâteau, ça a explosé, mais ça a pas pris feu. Du coup, Lucas était énervé, il nous a lâché une bombe, c'était fou. On a pris la bombe, on a posé dans un trou qui était dans le mur. Quand elle a explosé, elle a ouvert un passage qui nous a permis d'aller dans la salle de contrôle où Lucas nous observait. On a pu récupérer également la tête de Série D qui était à cet endroit-là. Ensuite, on a passé... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, on a passé ces marécages, on a pu récupérer plein de munitions dans la maison là-bas. Ensuite, on est arrivé ici. Il y avait également masse munitions ici. Et là, j'ai fait ce que je vais faire. En fait, j'avais déjà fait. Mais là, ça a pu sauvegarder parce que ça a pas sauvegardé ce que j'ai fait avant. Ça a sauvegardé. Donc, si je ne suis pas surpris, ne vous étonnez pas. Je vais pas faire semblant d'être surpris. Je vais pas vous mentir. Donc tout ce qui va suivre, je l'ai déjà fait. Donc je vous laisse juste regarder. Hop, Zoé et Mia. Donc on doit aller voir Zoé. Je dois te donner les ingrédients du sérum. Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour deux. Donc là, elle le fabrique, mais je sais pas comment en fait. J'ai pas trop envie de savoir pourquoi. Il y a un bateau dehors. Comment. On traversera le marais avec. Mais aucun de nous n'ira loin sans le sérum. Hé, il y en a un pour moi. Alors ça c'est Jack, le grand retour. Quel enfoiré celui-là. Donc là pour le battre faut détruire tous ses yeux. Il en a un peu partout sur le corps. Et il fait bien mal. Oui, ça fait longtemps que je complète tout contre toi en fait. Oh merde, moi je suis tombé comme dans le dernier épisode. Enfin, dans la vidéo que j'ai fait. Il a une grosse tête, hein. Je tiens à dire. Oh putain, je recharge. Oh fuck. Oh fuck, il va frapper. Ça va, tranquille, ça se passe bien la vie. Ça fait pas trop mal. Ça va pas l'air. Oh oh. Hop. Prochain œil. Ce sera lui. Oh fuck. Oh oh. Oh oh.
Ah, il monte. Je sens pas... Très bien. Ok, ça va. Allez, bim, casse-toi. C'était pas trop. Donc là, ça prend feu, je sais pas compris pourquoi. Tout va bien. Bouge pas trop ta queue, s'il te plaît. C'est assez bizarre dit comme ça, mais... Wouh! Ah, j'arrive pas à voir l'œil. Ah bah il est là. Putain, je tire à côté, fais chier. Non! Enfoiré! Arrête de bouger, Kika! Non! Sale gosse. Putain, il bouge à chaque fois au moment où je tire quoi. Oh wow wow, tu fais quoi? Tu fais quoi? Saloperie. Crève enfoiré! Voilà, j'ai tout vidé dans le vide, c'est cool, tout va bien. Mais toi, arrête de bouger! Ok. Ah oui, oh fuck. Voilà, tout va bien. Petite merde. Salut, ça va? Tranquille. Ethan, par ici. Oui, j'arrive. Mais pas maintenant. Alors là, c'est l'action la plus stupide de toutes. Utilisez le putain de sérum sur lui. Mais il me dit que ça fait du bien! Il y a des problèmes. Par contre, le sérum n'a pas du tout l'effet que je croyais. Ça le... transforme en statue alors que je pensais que ça allait le soigner, le ramener en tant qu'humain, quoi. Mais non, ouais. Non. Ça le transforme en Allez, statue. Allez, viens, Mia nous attend. J'arrive, mon grand. Enfin, ma grande. Et là... il va se passer un truc... qui m'a pas plu. Ah, ça m'a pas plu du tout. J'ai dû en utiliser un. Il n'en reste plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Dis-moi que c'est pas vrai. Si c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se branler. Alors là, il faut que je choisisse entre Zoé ou Mia. Alors j'avais choisi Zoé avec un bon temps d'hésitation. J'avais choisi Zoé car elle est plus compétente. Et elle a de plus gros un an, je déconne. Du coup, j'ai bien envie de tenter Mia pour voir ce qui se passe. Mais est-ce qu'il se passera la même chose? Donc je vais reprendre Zoé pour que vous voyez ce qui se passe.
Non. Je suis désolé. Sincèrement. Mais Zoé pourra nous guider vers un endroit sûr et ensuite je pourrai venir te chercher. Va-t'en. Fais une dernière fois l'amour quand même. Je veux rien entendre. Partez tous les deux. Allez-vous-en. Ma place est ici. Avec elle. Ne sois pas ridicule. T'as oublié? J'ai un travail à finir. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Merci. De rien. J'arrive pas à croire que tu m'aies choisi. Vaut mieux éviter Mia pour l'instant. Et on a peut-être une chance de s'en sortir. J'imagine que oui. Je veux savoir ce que tout cela signifie. À commencer par Mia. Mia est venue ici avec Evelyn. C'est là que ça a commencé. Evelyn. T'as des putains de mal, gamine. T'as des putains de frises. Je savais que Mia cachait quelque chose. Là, c'est le bateau à bord duquel Mia et Evelyn sont venues. Alors, elles sont venues sur un putain de bateau, je sais pas comment elles ont fait. Avec ça. Allons jeter un œil. Je ne retourne pas là-dedans. Je dois savoir ce que faisait Mia. Ah, qu'est-ce que c'était que ça? C'est elle. Evelyn ne veut pas. Le son est toujours décalé, hein, pour votre information. Ah, que vous n'ayez pas remarqué. Non, Evelyn, pitié. Zoé. Evelyn. Je serai sage. Zoé. Je promets. Zoé. Oh putain. Donc c'est là que je me suis posé la question, est-ce que ça aurait été mieux de souvenir? Peut-être que... ça ne serait pas arrivé sur elle. Je sais pas. C'est une très bonne question. Maman. Ici. Là, je joue Mia. Alors on va savoir pourquoi. Il s'est passé quoi derrière moi? Et là on a Ethan. Voilà, voilà, ça part bien en couille. Voilà. Donc voilà, c'est exactement à cet endroit-là là où je vous ai laissé la dernière fois. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, bon, je l'ai déjà fait, mais il m'a beaucoup plu ce moment-là. Je suis très intrigué par la suite. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.